principale information après la pour développer un matin un conseil sécurité Nations Unies a organisé jeudi lundi en deuxième rencontre à porte fermée sur situation haïtienne. C'est États-Unis qui pays Équateur qui convoquait réunion ça un objectif pour constater avancement qui fait dans affaires mise en place conseil présidentiel là CARICOM cap mené négociation yo avec différents acteurs haïtiens yo t'a dû lui-même tout participer dans rencontre ça. Quitter deux places vides dans la composition conseil présidentiel après accord 21 décembre n'a pas arrivé transférer nos représentants à Petit Dessalines qui lui-même refusé participer dans mise en place conseil ça qui t'a doué vinn gérer pays à dans jour cap venir yo conseil là a gain 5 membres avec deux observateurs d'après une source qui précise les personnalités qui composaient conseil présidentiel là a publié pas trop longtemps. Ancienne ambassadrice américaine là dans pays d'Haïti n'a parlé là de Pamela Ann White, li dit li pense Guy Philippe ak Jimmy Cherizier alias Barbecue t'a dû faire partie solution dans crise politique pays a fait face actuellement. Diplomate là dit si li des gang yo sous table discussion yo, ça ka peut-être aider dans résoudre problème là. Pamela White fait déclaration ça yo sous Live Now from Fox, yon média qui affilié à coopération américaine Fox samedi 16 mars passé à Luxon Saint-Ville lui-même qui se correspondant permanent nous dans pays États-Unis a gagné pour retourner interview sous interview ça li te suivre et la probablement présenter un compte rendu. A pillé plusieurs dizaines de cailles dans la zone Bellevue 15, 16 à 17. Ça passait le week-end passé. Parmi les cailles familiales, ministre de l'Éducation, Nesmi Maniga, comédien J. Sifra, d'après information, le ministre de l'Éducation qui confirmait effectivement maman habitait dans la zone ça, a précisé les partageants habitaient dans la caille ici là. Habitants dans divers quartiers qui pas trop loin à Bellevue lancé SOS by PNH lan yon façon pour arriver bloquer course bandio qui a marché pillé caille dans zone ça. Si exam qui prend contrôle yon bon parti dans capitale la pillé plusieurs conteneurs dans principal port pays à samedi hein. Conteneur ça yo c'est pour UNICEF Haïti qui était chargé fournitures essentielles pour santé maternelle ak timoun puis ça fait dans un moment critique côté timoun yo plus besoin matériel ça yo d'après UNICEF d'après information yo ta gen plus passé 260 conteneurs organisation humanitaire bandi déchouqué pendant dernier événement yo dans capitale pays à Port-au-Prince. Pays rapatrié ak réfugié yo gare mandé faut gagne une décision dépassement de soi qui prend dans l'idée pour population pas tomber pi mal toujours dans gros crise humanitaire la fait face journée jodi a coordonnateur à Igar la Sam Guillaume qui exprimait préoccupation li gagne dans sens ça rappeler population a commencé gagne pile problème par rapport ak produit première nécessité yo k'ap vinn pire chaque jour crise la dire. Son monde pour représenter un conseil présidentiel là c'est ça évêque l'église catholique qui fait connait dans une note yo mettait dehors pendant yo souhaiter chita parler yo déboucher sous ça yo relé yon entente patriotique dans intérêt nation. Gouvernement haïtien a prolongé pour que faire Ouest là sorti hier dimanche 17 mars pour arriver 20 mars à partir 7h à soir pour arriver 5h dans matin quant à état d'urgence la boute jusqu'à 3 avril qu'a venir là pendant période ça aucune manifestation pas gain doit organiser dans la nuit ou la journée plusieurs le 15 mars 2024 passable dans l'idée pour être capable faire échec exact gang armé pendant sin kwè la police plusieurs bandits tombés en babal plusieurs armes saisies et plusieurs axes routiers débloqués et nan niveau Badelma c'est ça eh bien responsable nan unité communication à collation presse police nationale là gagné plusieurs stratégies qui mettaient en place sin kwè institution police là dans l'idée pour récupérer certains espaces gang yo occupé depuis quelque temps eh bien dernier jour ça yo la police a dégagé le commet Jean-Jacques eh bien pour faciliter libre circulation paisible citoyen yo et la police annoncé n'a pas trop longtemps l'a gagné pour le présenter yon bilan sous déroulement opération sa yo qui te mené nan niveau Badelma.